Eh ben dis donc, c'est bien vide comme écran titre. Vu qu'en même temps, il n'y a même pas une seule créature vivante. Bref, sur ce, bonjour à tous, c'est Monsieur Madness02. Et donc aujourd'hui, on est ici pour le défi numéro 103. Et vu le jeu que vous avez vu, ça sera sur Portal. Un jeu évidemment sorti sur Xbox 360, PlayStation 3 et PC en 2007. Et été développé et édité par Valve Software, et c'est un jeu action-réflexion. Voilà. Beaucoup de gens connaissent évidemment ce jeu. Et donc là, on va pas trop parler du jeu, parce que, enfin, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Car le but de ce défi que je vais devoir faire, vu que c'est un défi évidemment de rang expert, parce qu'on est des experts à ce genre de jeu, il va falloir que j'essaye de finir les 12 premières salles de test du jeu, le tout en moins de 15 minutes. Et donc là, on peut voir qu'il y en a plusieurs types de salles de test, mais nous, ce n'est pas à la fin qu'on va commencer, ça va être à partir de la salle de test 0 que nous allons débuter, évidemment, ce défi. Allez, on lance. Donc on a un petit temps de chargement, évidemment, le temps que Coco y charge. Et là, on se réveille d'un cryostase et on entend de la belle musique. Hop, petite radio ici. Tac. Donc là, on leur explique comment, évidemment, on joue les flèches, évidemment. Donc évidemment, pour information, je joue au clavier pour ce genre de jeu. Parce qu'il est un peu plus conseillé quand même à jouer en clavier ici. Bon, là, le personnage qu'on entend, évidemment, c'est GLaDOS, celle qui va nous guider pendant notre aventure dans le laboratoire d'Aperture Science. Bon, il faudra pas souvent l'écouter parce qu'elle a tendance, des fois, à dire un petit peu de la merde, des fois. Et qu'en plus, elle a tendance aussi à péter un câble, aussi, évidemment. 3, 2, 1. Hop, allez, c'est parti, j'ai lancé le chronomètre. Et donc là, on est parti. Donc évidemment, dans ce jeu, on contrôle évidemment Shell, une fille totalement muette, et qui fait office de sujet de test pour Aperture Science. Oula, le cube, il a complètement buggé, je sais pas pourquoi. Oui, parce que là, je suis en train de reprendre un petit peu les commandes du jeu, parce que vu que ça fait, pourtant ce jeu, ça fait depuis pas longtemps que je l'ai, vu que je l'ai sur PC, et le temps que je me remette un petit peu dans le bain, parce que c'est vrai que jouer sur clavier, c'est pas souvent facile. Mais bon, sur ce type de jeu-là, je me l'autorise. Après, il y en a d'autres, je préfère encore mieux jouer à la manette. Oui, il faut déjà que j'attende que le portail puisse me l'indiquer. Le cube, voilà, il est là, le cube. Allez, on l'embarque. Allez, dépêchons. Il est là, le bouton. Tac, on le pose. Ah ! Enculé ! Tu m'as trollé ! Putain, saleté de portail, évidemment, il m'a trollé au mauvais moment. Il me dit « Fuck, non, tu passeras pas. Tu perds du temps. Hein. » Mais sauf que nous, on n'a pas de temps à perdre. Hein. Alors, on se casse de là. Bon, après, évidemment, niveau commande, rien de basique. Hein, les flèches pour se déplacer, et puis le bouton espace pour sauter. Comme nous l'avait dit dès le début. Avant de sortir de la chambre de cryostase. Donc là, temps de chargement parce qu'on va changer de salle de test. Nous apprécions votre diligence. Là, on voit actuellement le générateur de portail que l'on va devoir récupérer, qui est évidemment indispensable dans ce jeu. Parce qu'évidemment, dans ce jeu, il faut, comme vous l'avez vu, le but c'est de Ouais, c'est bien. GLaDOS, en fait, à force de parler, tu me fais perdre mes mots. Donc, je disais, voilà, réussir des énigmes. Voilà. C'est-à-dire, grâce à l'aide de ce portail.
Allop. Et donc avec ce portail là, on aura déjà un peu plus de facilité pour réussir les énigmes des salles de test de GLaDOS. Et pourquoi ça, hein, ça va me tuer ce générateur? Moi j'en ai pas l'impression, parce que c'est juste pour c'est juste un générateur de portail, hein, c'est pas un truc de gun. Allez, dégage. Ok, d'accord, je crois que là GLaDOS elle a complètement pété les boulons. Hop là, donc là rien de plus compliqué. De toute façon, dans ce genre de jeu, il faut pas trop se presser, enfin un petit peu quand même, parce que bon, on a 15 minutes pour faire 12 salles de test, mais il faut quand même savoir bien réfléchir pour pouvoir réussir les salles de test. Parce que c'est ça qui m'a plu, ce genre de jeu, hein. Les jeux de FPS, c'est parce que c'est vrai que les jeux de FPS de nos jours, à chaque fois, c'est toujours des trucs boing, genre les Call of, les Battlefield, à chaque fois, les trucs bien méga bourrins. Alors là, ce genre de jeu, là encore, c'est déjà mieux, parce que on n'est pas trop... C'est pas trop du genre où il faut foncer tête baissée, non, il faut prendre son temps et bien réfléchir. Bon, évidemment, dès qu'on connaît bien tout le niveau, bah après... on peut speedrun. Je place le cube ici. Très beau travail. Conformément au protocole de test. Bon, de toute façon, les premières salles de test, évidemment, quand on n'a que le générateur bleu, évidemment, de portail, ils ne sont pas vraiment si compliqués à faire, de toute façon. C'est à partir de bien plus tard, dès qu'on aura, évidemment, le... Parce que, pour ceux qui connaissent, évidemment, on a deux générateurs de portail. On a un bleu et puis un orange. Bon, le orange, évidemment, on l'a pas tout de suite, parce que vu que on a que le bleu, le orange, il sera disponible bien plus tard, quand on va avancer dans le jeu. De toute façon, le jeu, il est très court, hein. Ne vous attendez pas à ce que ce soit un jeu très long. De toute façon, Portal, c'est un jeu qui est quand même assez court. On met environ, allez, à peu près 2-3 heures à peu près pour finir le jeu, contrairement à son successeur, évidemment Portal 2, qui est sorti quelques années plus tard, évidemment toujours sur les mêmes supports, mais qui a une plus longue durée de vie. Allez hop, on se casse de là. Ah bon? Bravo pour ce bug, GLaDOS. GLaDOS, franchement, tu dis souvent de la merde. Et puis, tu n'arrêtes pas de péter un boulon. Tu sais même pas gérer ton matériel de communication. Hein. Parce que ça bug trop. Hein. Allez, hop. Donc là, un autre test simple, là, auquel il y a une petite boule d'électricité. Où il faut le placer sur ce générateur pour pouvoir activer la plateforme. Le pop-up. Voilà, pour le moment, là, de toute façon, c'est pas trop dur, même si ça fait depuis 6 minutes que nous sommes ici. Et bon, c'est vrai que de toute façon, les premières salles de test sont rapides à faire, mais après, plus tard, hein, ça peut durer un peu plus longtemps. Et sachant qu'aussi, évidemment, dans ce jeu, il y a aussi un mode avancé que l'on débloque de mémoire dès qu'on a fini le jeu, je crois. Et le mode avancé, c'est qu'en fait, on refait les salles de test auxquelles on a les deux générateurs de portail, mais en version plus difficile. Ouais, faudra déjà que j'ai atteint le SAS si la plateforme pouvait éviter de se barrer. Donc là, on peut apercevoir à côté du portail, évidemment, Shell qui ressemble un peu à rien, j'ai envie de dire. Bon, c'est vrai que Shell dans Portal, niveau chara-design, elle ressemble vraiment à pas grand-chose. Bon, après, elle ressemblera un petit peu mieux à quelque chose seulement dans Portal 2. Hein. Parce que bon, c'est vrai qu'il y a quand même... quelques années d'écart, parce que de mémoire, Portal 2, il est sorti en 2012, je crois, si j'ai pas de conneries, ou 2011.
ou 2010. Mais je sais qu'il est sorti bien des années plus tard sur 360 et PC. J'ai plus s'il était sorti sur PS3. Sera porté sur votre rapport officiel et sera suivi de votre mise à mort. Bonne chance. Pourquoi mise à mort? Qu'est-ce que tu racontes, GLaDOS? Bon, hop, on fait ça, hop là, tac tac. Et là, faire gaffe de pas tomber aussi. Tac, voilà. Faut pas que je tombe dans ce liquide là parce que sinon c'est la mise à mort, comme nous dirait bien si bien GLaDOS. Par contre, ce qui est un peu chiant, c'est d'attendre toujours cette saloperie de plateforme qui arrête pas de s'en aller avant même de nous attendre. Et hop là, voilà, comme ça c'est fait. Et surtout pas tomber parce que sinon je vais être un petit peu mal parce que je vais devoir recommencer la salle de test où on est actuellement. À moins si j'ai déjà eu un checkpoint parce que je sais que de mémoire, même si on meurt, on reprend une part de checkpoint dans la salle de test. Parce qu'évidemment, dans la salle de test, les checkpoints sont un petit peu invisibles en fait parce qu'on voit pas, ils nous indiquent pas. Dans l'écran, sur l'écran, checkpoint et tout. Hein. Bon, là, évidemment, on a chargement, c'est normal parce que là, on change de salle de test, mais bon. Alors, on arrive à la 9e déjà. Et ça fait déjà 9 minutes. Comment ça, inutile d'essayer? Bon, alors, de mémoire. Merde. Alors. Ah purée, c'est vrai, je me rappelle de ce qu'il fallait faire, j'ai fait un petit peu le con. C'était me mettre là, hop là, et prendre le cube ici. Parce que si je transportais le cube via la porte, enfin l'espèce de petit portail comme ça, il risquait de se désintégrer en fait. Et donc le seul moyen, parce que évidemment dès que je passe ce petit portail comme ça, enfin sa petite porte... Et ça réinitialise le générateur de portail en fait. Et donc ça veut dire que les générateurs de portail ils disparaissent. Mais bon, vu que le orange il était déjà placé de base, donc il disparaissait pas. Oui oui, qu'est-ce qui se passe GLaDOS, tu bug déjà? Oui, là tu disjonques complètement là. Hein. Il faut que tu te calmes un petit peu, GLaDOS, hein, s'il te plaît. Hein. Si tu veux, je connais un mécanicien qui va être bon, qui va être bon en mécanique et qui va te réparer tout de suite. Parce que là, vu que tellement que tu disjonques un max. Alors attends, il est où? Ah, il est là. Allez, dépêche-toi. On place ça. On saute. Et comme ça nous propulse plus loin. Procédé de masse et de vitesse est conservé entre les portails. Oui, je sais. Pas la peine de prononcer des mots scientifiques, GLaDOS. Même si j'étais une machine, mais bon, hein. Donc voilà. Bon. Donc dire que là, il faudrait. Là, au niveau du temps, pour le moment, ça va encore. Mais bon, faudra pas trop traîner quand même, parce que là, vu qu'il reste plus 4 minutes. Ce serait peut-être temps de mettre les bouchées doubles, j'ai envie de dire. Alors, parce que là, j'ai envie de dire que là, on arrive à l'avant-dernière salle de test. Oui, parce que celui-là, c'est le 11e qui est là. Donc après, il m'en restera encore une autre salle de test à faire. Et puis, une fois qu'elle sera terminée, ce sera bon. Hein. Oui, oui, je le sais. Tu me l'as déjà dit que le liquide en bas, il peut me tuer. Et donc là, ici, c'est là qu'on récupère, évidemment, là, comme on l'a vu, le 2e générateur de portail. Ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse ça, je place ça. Ah, par contre, ce qui est con, c'est qu'il faut que j'attende que le connard de portail tourne, parce qu'évidemment, il me dit plombe. Et le problème, c'est que, j'ai pas beaucoup de temps, là. Hein. De toute façon, c'est simple, le défi, de façon, pour que je réussisse le défi, il faut impérativement que je termine j'atteigne l'ascenseur après que j'ai fini la 12e salle de test. Bon, moi, ce qui est bien, c'est que j'ai eu du bol
Le générateur de portail a bien ciblé le générateur auquel je vais envoyer la boule électrique. Par contre, je vais avancer, s'il vous plaît. Parce que là, le temps commence à défiler, là. Allez, hop, hop, dépêche, dépêche. Et tac, tac, voilà. On a le deuxième générateur de portail, comme ça, moi, c'est fait. Alors, faut que j'aille où déjà de mémoire. Bon, je sais qu'il faut que j'en place un ici. Voilà, on le place là. Ah, ça y est, j'ai un interrupteur là. Et tac, voilà. On place comme ça. Parce que ça va nous emmener à la sortie. Allez, dépêche-toi, plateforme. Il me reste beaucoup de temps. Alors, s'il te plaît, mine-toi le cul là. Parce que là, je commence un petit peu à stresser là, au niveau du temps. Parce que ça se rapproche dangereusement. Oui, je sais, je sais plus parler. Alors, normalement, c'est là-bas la sortie, quel con. Hein. Allez, dépêchons. Vite, vite. Il reste plus qu'une salle de test à faire. Et là, je commence un petit peu à angoisser au niveau du ton, là, parce que ça va être un petit peu just. Allez, dépêche-toi, l'ascenseur. Voilà. Allez, hop, vite, vite. Là, c'est la dernière. C'est la dernière salle de test. Ah, c'est un truc où il faut que je me propulse. Ouais, ouais, c'est bien, ta gueule, GLaDOS, tu bugs trop. Hein. On s'en fout complètement, allez hop là. Moi, je me mène le cul. Oula. Ah, il faut que je place ça. Ça, j'appuie sur le bouton. Voilà. Ça me refaire un propulseur. Allez, vite. Tac, tac. Hop là. Je sais qu'il faut que je prenne le cube. Et j'allais le placer sur le bouton. Voilà, c'est bon, en espérant qu'il ne bloque pas. Allez, vite. Allez, hop. Ouais, ouais, c'est bien, GLaDOS. Allez, hop, là, voilà, j'ai atteint l'ascenseur. J'ai réussi les 12 premiers tests. Et donc, ce qui fait que le défi réussi. Et il restait pas beaucoup de temps, j'ai envie de dire. Donc on peut dire que j'ai quand même eu chaud, parce que bon... Hein, c'est vrai qu'en même temps, ce défi, c'était quand même un tout ou rien, en fait. Il suffisait que je me viondais à un des passages où, dans une des salles de test où il y avait l'eau empoisonnée, et bah c'était un peu... c'était la mort, en fait. Hein. Donc voilà, quoi. Nous vous enverrons une sonde d'intubation contenant de la pepsine et de l'adrénaline pour vous réanimer. Pourquoi ? J'ai pas besoin de ça pour me réanimer, je sais me réanimer toute seule, GLaDOS. Donc là, comme vous le voyez, là, bon, je vais vous montrer juste vite fait quelques trucs, là, le temps de meubler. Donc là, on est déjà à la 13e salle de test, et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est à partir évidemment de la 13e salle que ça se complique en fait. Parce que là, les énigmes sont un petit peu plus longues. Et qu'il faut pas mal réfléchir. Et aussi, ces salles de test là, ils existent aussi en version avancée. Que l'on débloque évidemment une fois qu'on les a terminées pour la première fois. Donc voilà. Hop. Tac. On place ce portail ici. Puis voilà. Bon. Bah, de toute façon, j'ai à peu près tout dit ce qu'il y avait sur le jeu, hein. Bon, c'est vrai que niveau ambiance, niveau musique, ça manque un petit peu de musique dans ce jeu. Bon, même si on entend des fois la petite radio, mais bon, hein, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que pour vous, ce défi, vous a plu et que vous avez ce jeu, vous intéresse. Si ce jeu vous intéresse, n'hésitez pas, hein. De toute façon, il coûte pas spécialement cher, hein, que vous le preniez soit sur le Xbox Live ou même sur Steam, ou sur le PlayStation Network et tout, sur le PSN. Et puis, si ce défi vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à le faire savoir et à le faire partager aux autres comme toujours. Et puis, comme d'habitude, si vous avez des défis, à me proposer, n'hésitez pas, vous pouvez laisser un commentaire dans cette vidéo,
Et puis, vous pouvez m'en proposer aussi sur Twitter, hein, avec le hashtag défi MonsieurMadness02. Et puis enfin, abonnez-vous à ma chaîne pour suivre d'autres vidéos défis, évidemment. Ouais. Que ce soit défis normaux, défis trolls, défis extrêmes, voire même dark défis de mon alter ego maléfique. Et puis, voilà. Bon, allez. C'est avec ces images et qu'on entre dans ce 14e salle de test que je vous dis à tous à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez. Salut à tous, ciao, bye bye.